bonsoir à toutes et à tous et ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans la deuxième Toulouse, on est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club, la seule émission sur le TTC, sur la bande des flemmes. Et oui, on peut se prétendre être la seule parce que nous sommes les seuls pour le moment, les autres ils sont tous arrêtés. La composition de cette feuille de match, la 318e dans les buts ce soir, c'est notre gardien de la vidéo et des réseaux sociaux, c'est Vincent, comment il va? Non, on t'entend pas très bien. Tu montes Nadia le micro de Vincent. Mais le blanc. C'est bon, là on t'entend. C'est bon. On m'entend, ok. Oui. Alors c'est mon casque, il n'y a pas de retour. C'est bon, mais ça va, vous m'entendez masqué, vous me voyez masqué. Pourtant je suis bien là. J'espère que vous allez mieux que moi. Ensuite, en défense. Ben, il veut se faire applaudir. À chaque fois qu'il y a un mec qu'on met en défense, il arrive en retard. C'est fou, hein. C'est Mehdi, il sera avec nous juste après. Au milieu de terrain, on va mettre une triplette. Ben, Mathilde et Nathan. Et là, je peux vous dire, il y a un milieu très travailleur. Comment ça va, les amis? Ah ben, ça va, très bien, super. Forme? La forme. Ça fait bizarre de voir mon plus gros hater en face à face, mais je suis content. Ça va bien, merci. Remise depuis dimanche. Le jour où tu seras à cette place, tu pourras l'ouvrir, Ben. Putain, non, faut voir. J'ai rien de plus à dire. Ouais, t'as un enfoiré quand même, parce qu'il te l'a laissé. Oui. Parce que moi, je voulais Mehdi à la base. En attaque. Il y a un duel de personnes non voulues, c'est incroyable. En attaque ce soir, c'est notre ami Clément, comment il va? Eh ben écoutez, très très bien, je vais faire parler ma pointe de vitesse légendaire ce soir. Donc tenez, accrochez-vous, ça va aller très vite. Pour continuer tout ça, la technique audio, c'est Nadia. Comment elle va, Nadia? Coucou tout le monde, ben, ça va, je me remets du week-end doucement. Ouais, combien de temps pour t'en remettre? Là, ben maintenant, de bonjour. Allez, un coucou aux absents, Sacha, Arthur, Elliot et Rémi, ainsi que Fred au programme actuel, tous des matchs du week-end d'Académie. Des féminines et un gros retour sur Toulouse OL aussi. On fera un gros retour sur Toulouse-Marseille chez les filles, puisqu'on a eu l'honneur, le privilège de le commenter samedi, dimanche soir. Vous pouvez réagir en direct avec nous sur le Twitter Deuxième Foot, sur la page Facebook Live de la feuille de match ainsi que de Radio Occitania. Sur Twitch aussi, sur la feuille de match, sur YouTube, la feuille de match et aussi sur X. Vous avez aussi la vidéo, parce qu'on a du monde qui est connecté, les amis. Oui. On a du monde connecté, on a Freefly, Lucas Bariani, Fab, Lilor, CC Tolosa. Qu'on salue. Eh bien, qu'on salue. J'en profite aussi pour remercier pour le jingle, puisque c'est le jingle de Versure, c'est Guy et son groupe qui nous l'a fait. Ils viendront nous le présenter dans quelques semaines, même nous le jouer en live, vous verrez. Donc on le remercie encore une fois, je me permets de le faire parce que je le vois connecté aussi. Voilà pour la 318e émission. Si tout le monde est prêt, c'est parti. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Il y a des petites news qui vont être assez rapides. On va commencer par une très très bonne nouvelle, puisque c'est la sélection, enfin j'ai envie de dire, de Rasmus Nikolaisen. Clément, je me retourne vers toi. Très heureux. Bah ouais. Très très heureux. Il était temps. Après, bon, c'est vrai que c'était pas le poste auquel ils étaient le plus embêtés au Danemark, les défenseurs centraux, mais ça fait plaisir et c'est le travail qui est récompensé de ce super joueur. Donc très bien. Okay, non, égoïstement, j'espère qu'il sera pas trop en vue quand même. Pourquoi? Ce serait bien qu'il reste à Toulouse. Oui, c'est bien pour lui. Il va affronter Siro d'ailleurs dans les matchs amicaux. Mmh. Oh. On vous fera tout un listing de tous les sélectionnés vendredi. Mais bon, ça là, on voulait quand même vous l'annoncer parce que Rasmus, ça fait toujours plaisir. Le vice-capitaine du TFC qui est enfin dans la sélection danoise. Alors qu'il a pris 3 sur MPG, je me l'explique pas. Ah, le CSC, ça fait mal. Apparemment, c'est Sagnol, le sélectionneur, je sais pas si vous avez vu. Il a pris parce qu'il était grand et athlétique. Donc c'est pas si vous rappelez des souvenirs de Georgie, mec. Ça date un peu cette info. Décoller, deux pieds décollés. Salut Willy. Deuxième news, mon cher Nathan. Les Oxyfans qui organisent leur premier déplacement à Lille. Donc, hein, départ à 15h, porte de Bagnolet à Paris. Donc info sur leur site. On va faire le journal des prêtés, mon cher Clément, c'est à toi. Et tout à fait, on va commencer par Noël Lamadit, qui a été titulaire en 8, sorti à la 73e lors de la victoire 3-0 du Paris Atlético contre Bourg-Péronas. J'ai pas regardé le classement, mais c'est encore dans les dernières places. On a ensuite Oliver Zanden, titulaire, qui a joué tout le match, un match nul 2-2 de Randers contre Aarhus. Je tente l'accent, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais... on va dire ça. Personne ne pourra te contredire de toute façon, donc vas-y. La grosse news du jour par rapport à ça, c'est Ibi Sissoko, rentré à la 58e et auteur d'un doublé lors de la victoire 3-1 de Plymouth contre les anciens positionnaires de Première Ligue, Luton Town. On peut parler de lui ou pas?
que j'ai vu des gens le regretter juste sur les deux actions. Ça m'a fait mal au cœur. Vas-y. Non, non, mais il ne faut pas regarder que les highlights. Hein. Je pense que vous ne vous souvenez pas de ce que ça donnait quand il était au stade. Bah, tu sais que les highlights, René, t'es en équipe de France. Oui, je sais, ça me gonfle, mais ce n'est pas le football que j'aime. Et du coup, voilà, son club de Plymouth est 16e et Rooney a pris 30 ans dans la gueule. est-ce que ça a un rapport avec Sissoko ? Je ne sais pas, mais voilà, c'est le cas. On a ensuite Saïd Amoulic, décidément la malédiction se poursuit. Il était titulaire en Coupe de Pologne parce qu'il ne joue pas en championnat. Et il est sorti sans marquer à la 61e. Victoire 3-1 de Lodz contre Elena Torun, club de 3ème division. Donc on lui a dit marquez maintenant ou ne marquez jamais plus. Il a fait son choix visiblement. On a ensuite César Gélabert, donc titulaire, qui a joué tout le match lors de la victoire 1-0 de Rijon contre le Real Saragosse. Ben, c'est une petite réaction. Je suis content. Non mais voilà, il est, au moins il joue, il a des minutes de jeu et il a fait guérir remplaçant. Donc c'est bien. Et enfin, on a Hogg, je ne prononce pas le prénom parce que je me loupe à chaque fois. Merci. Et donc, lui était titulaire lors de la TFS 3-1 de Odds contre le KFUM Football. Je ne sais pas comment ça se prononce non plus. Et ben, merci, mon cher Clément. Et ben, je t'en prie, chapeau. Pour tous les prêtés. On va faire la préformation maintenant, on va enchaîner. On va remercier la Fabrique Violette, toujours d'actualité sur les jeunes. Je vous conseille d'ailleurs leur Instagram, ça s'appelle la Fabrique Violette. Les 14 ont gagné 2-0 à Hoche, les 15 ont battu 5-1. Fija Capdenac et l'U16 ont gagné 4-3 contre l'Union Saint-Jean. Passé à l'Académie, les féminines, mon cher Nathan, la N3. Ouais, pas de match ce week-end en raison du 4e tour de Coupe de France. Les U19, ils ont fait match nul 1-1 contre le MHSC, avec pas mal de pros et un but de Métalli. Donc, voir résumé Mehdi. Donc, Mehdi, si tu nous écoutes, envoie-nous ton résumé. Le TFC donc, est 4e à 3 points du second. Donc l'équipe dont je ne prononcerai pas le nom. Dans le MHSC, bien entendu. Si tu veux, je te fais un résumé très très court de ce qu'a dit Mehdi. C'est que les pros ont été un petit peu suffisants sur ce match-là et n'ont pas eu l'impact qu'ils auraient dû avoir sur le jeu et qu'ils auraient dû se bouger un peu plus que le match à leur portée. C'est vraiment un résumé de résumé que je vous fais. D'accord. Il nous dira quand il arrivera à la 58e. Parce qu'on aura fini. Donc, à la 58e minute de l'émission, il nous dira, Mehdi. Les 17, donc, ils ont fait nul 3 partout contre Castelnau-Lecresse avec des buts de Gargilo, Mache et Nègre. Le TFC passe 5e à 4 points du duo de tête, donc l'OM et Rodez. Les féminines, on va enchaîner avec un petit débrief de la D2, puisque on y était, les 4 qui sont présents en plateau. On a eu la chance de commenter ce match et c'était vraiment une expérience extraordinaire. Hein. J'ai Ben qui m'a dit qu'il s'était régalé 25 fois après la sortie du stade. Et ça fait 26, je me suis régalé. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, c'est vrai que c'était très chouette. On avait Mathilde qui était un peu genre la star de la totalement. Stadium. Elle s'est arrêtée à peu près tous les 5 mètres faire des bisous et claquer des bises et discuter alors que nous on était juste là, mode, c'est pas où. On a failli pas l'avoir pour la reprise de l'habitant. Hein, parce que... Ça discutait avec le staff olympien et tout. Fin... Elle est en train de signer un contrat d'ailleurs. La liste de vidéo à l'OM. Non mais nous on a vu, on fait que constater Mathilde, tu sais. Un partout. Nivinal Ali Abdallah qui a égalisé, le TF est 6e avec 4 points, soit 3 de retard sur le leader marseillais. Match frustrant. Au début du match, un partout, je pense que tout le monde signait. D'ailleurs, c'était le prono de Mathilde et Vincent. Mais dans la physionomie du match, ultra frustrant. Un pénalty loupé, des énormes occasions loupées. Un carton rouge aussi pour Marseille qui a un peu pourri le jeu. Enfin, vous avez pensé quoi de ce match? Moi, franchement, je m'attendais pas à une telle réponse de Toulouse face à Marseille. Parce que de ce que j'avais compris, qu'à Marseille était quand même bien meilleur. Tu fais une bonne entame de jeu, tu obtiens ce pénalty bon, que tu rates, mais on en parlait sur le live. Il y a eu beaucoup, beaucoup de temps entre la faute et le moment du tir, et je pense que ça joue beaucoup. Ensuite, tu prends ce but de cette attaquante qui nous a fait chier tout le match, vous a fait chier tout le match, qui était incroyable. Franchement, on n'a pas arrêté de le dire, hein, mais c'est toi qui nous l'avais dit, mais dos au jeu, elle a été infernale. Et ensuite, ce carton rouge qui te coupe un peu les jambes, t'arrives pas, tu te paniques, tu te jettes un peu vers l'avant, t'arrives pas à retrouver cette construction. On n'a pas arrêté de le dire. Et puis au moment où on a dit qu'il faudrait vraiment se poser, belle passe en profondeur, centre, un petit cafouillage dans la surface et belle frappe, petit filet opposé. Donc le même partout était au moins le minimum, je trouve.
Ouais, non, je suis d'accord. L'OM, on a été, je pense, un peu déçus. C'est quand même censé être l'équipe favorite du championnat. On s'attendait peut-être à une production de jeu plus importante. Beaucoup de jeux directs sur Mamadou Diop parce que c'est sa qualité première. Elle te cale la défenseur dans le dos. Mais je trouve que Lou Jumer l'a très bien prise. Même si elle était souvent un contrat, elles n'ont pas forcément fait une prise à deux sur elle. Enfin, je m'y attendais un peu plus. Après, on a eu un manque d'efficacité en première mi-temps. Le rouge, c'est là qu'on voit peut-être le manque d'expérience un peu de l'équipe, dans le sens où après le rouge, on aurait dû se calmer et continuer d'accentuer ce qu'on faisait de bien, c'est-à-dire poser le jeu, trouver Solané, Atamagnouk, Altunkoulak entre les lignes. Et on s'est un peu précipité, je trouve. Et ben voilà, on a été quand même récompensé par ce but de Nivine. Et je suis contente pour elle, parce que c'est une ancienne Marseillaise qui plante contre l'OM, donc c'est cool. Et voilà, on aurait pu même remporter le match à la fin avec le face-à-face de Sonia Rumiga, 90 plus 2 ou 3. Oui. Et la gardienne Verdier sort bien dans ses pieds. Et bon, c'est dommage, mais 1-1, oui, comme on disait, si 1-1 avant le match, on signait. Parce que 1 point contre Marseille, pas beaucoup de monde le prendront ce point. Ouais, mais c'est voilà, on ressort quand même de la frustration. Il y a quand même des grosses occasions qui n'ont pas été concrétisées. Et ça, il y a un manque d'efficacité devant qui est quand même assez criant. Chez nos filles, qu'elles ont quand même maîtrisé la partie. Et il y a quand même à partir du carton rouge pendant 20 minutes, c'était très haché. Les Marseillaises ont vraiment pourri le jeu à tomber, prendre du temps. D'ailleurs, je me souviens pendant le live, on était en mode 65e minute, elle prend le temps, le gardien, elle se passe à allonger et tout. C'était très bizarre. Mais je pense que tu te rejoins sur le manque un peu d'expérience. Tu vois, ça aura peut-être un peu plus tué les matchs. On a une équipe qui est très jeune, on le sait. Et on avait plus d'expérience en face. Et c'est dommage. Mais en tout cas, il y a eu du jeu de proposer. Marseille avait un jeu beaucoup plus direct. Le test, c'était quand même un peu plus de possession, un peu plus de phase de jeu avec ballon. C'était quand même beaucoup plus intéressant. Il y a eu des très bonnes choses de fait. Et enfin, agréablement surpris. Moi, je pensais que Marseille allait être au-dessus. Vraiment plus au-dessus. Et de ce que nous avaient dit aussi ceux qui avaient eu le match amical. Ils avaient eu cette impression-là, et au final, là, par contre, on a l'impression que le TEF était... Très bien répondu. Même en 11 contre 11, c'est pas que à partir de 10 contre 11, d'entrée de jeu, c'était... Oui, même au contraire. Il nous a un peu mis à mal, alors qu'on aurait pu penser qu'on allait prendre le dessus, mais non, à 11 contre 11, c'était vraiment pas mal. Dernière action, mon cher Nathan. Ouais, sur le match des féminines, donc on a Cécé Tolosa qui a été agréablement supplé par les féminines, qui a trouvé qu'elles avaient un meilleur bloc équipe que les pros du TF. Donc, on signale le petit message. Vincent, t'en as pensé quoi du match? Par rapport au match qu'on avait vécu, le 3-0 justement à match amical, la physionomie pouvait être semblable sur le nombre d'occasions, sur la domination. Mais on a réussi quand même à tenir, même si bien sûr il y a eu des faits de jeu et que le carton rouge a forcément changé la physionomie du match. Mais encore une fois, prendre un point contre Marseille, qui est la favorite pour la montée, forcément c'est une très bonne chose. Et surtout prendre des points en début de saison, ce qui nous avait coûté aussi lors de la dernière expérience en seconde division, c'était bien, franchement. Puis on a un groupe, il y a un groupe, on sent que les recrues là, toutes celles qui sont arrivées, c'est du niveau des deux. Et ça se sent, ça se voit. Il y a quelque chose de très intéressant. Alors de là, comment dire, quand on va jouer la première place, on va peut-être pas s'enflammer non plus. Mais je pense que le maintien ne seront peut-être pas forcément pas être inquiète par rapport à la première saison qu'elles avaient faite, les 6 premiers mois. Je pense que là, on va acquérir le maintien peut-être un peu plus rapidement. Il n'y a qu'une descente en plus. Il n'y a qu'une descente. Donc, et puis là, il y a déjà un petit trou qui est en train de se créer avec Rodez, Orléans, qui sont un peu plus à la traîne, entre guillemets, dans le championnat. On a un gros groupe aussi en plus. Vos tops, vos flops? Top Solané. Elle m'a vraiment plu dans tous ses déplacements. Top. Grinfant, parce que j'arrive enfin à prononcer son nom de famille. Griffon. Moi, je te jure, j'ai tout donné pendant 2 ans. Et l'anglais, t'en as pensé quoi? Clément, solide sur les duels, j'ai très très bon. Ça recommence. La passeuse fait un joli match aussi, je trouve. Dommage qu'elle n'ait pas bonne été. Bonne première, elle a été moins trouvée en seconde mi-temps, ouais, sur son couloir. Ouais, moi, top, Solané, Jumer. Ouais, Louche, d'accord. Je trouve que sur chaque ligne, que ce soit Solané, Célène également devant et Lou derrière. On le dit, une colonne vertébrale, c'est important dans une équipe. Pour le coup, on l'a bien. Céline, tu vois, pas top. Un peu de frustration, elle a du mal à masquer ça. Frustration, mais on sent que si le jeu il passe pas par Céline ou par Tatiana Solané, c'est un peu. Ça, je suis d'accord, mais Tatiana m'a plus que Céline sur ce match-là, en tout cas. Même si elle fait pas un mauvais match, mais. Peut-être un peu trop. Ouais.
un contexte avec l'OM. Mais Lou Jumère, moi, c'est Rasmus Nicolaïsen pour comparer avec les oui. pros. Elle a été vraiment incroyable, très propre défensivement. Elle avait une cliente, d'ailleurs, Mathilde nous l'a répété, sur que tu l'avais affrontée, donc sais de quoi tu parlais. Mais elle était. Diop, pour vous faire une idée, c'est un peu comme si il y avait Cheikh Diabaté devant, mais avec des Valbuena qui défendait derrière. J'extrapole un peu quand même. Cheikh Diabaté avec des pieds, parce que mine de rien. Au début, je la critiquais pas mal, mais elle a fait impressionnant. Mais ouais, Lou Jumère a très bien répondu et a fait un très, très, très bon match. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Et flop, la mauvaise entente entre les gardiens et les défenseurs, dont nous n'aurons pas d'explication pour l'instant. Peut-être plus tard. Oui, le coach qui n'a on lui a envoyé un message, je pense qu'il n'a pas eu le temps de répondre. J'ai envoyé un peu plus tard que d'habitude, donc petit mea culpa, mais peut-être qu'il nous répondra plus tard. Et si c'est le cas, on vous fera passer le mot vendredi prochain. Top les commentaires de la feuille de match, surtout. Ça, c'est gentil, mais nous, on pourrait pas le dire, ça. Enfin, ils ont fait un tour de la table, mais je pense qu'il se reconnaîtra, mais sinon, mais c'était bien. Vincent, il était malade, c'est pas sa faute. Hein. Ça va faire quelque chose, quand même, de commenter. C'était très impressionnant. Ouais. Est-ce qu'il y en aura d'autres des matchs au stadium et donc des possibilités de. Normalement, 4 autres. Commenter, Et il y aura techniquement peut-être normalement un match où il n'y aura pas forcément les pros. Ok, c'est cool. Ça pourrait bien. Après, par contre, je ne vais pas vous mentir, vous voyez le Sahara, c'était pareil en termes de presse. On est nous, l'AFP. L'AFP. Et voilà. Et c'est tout. Et France 3 apparemment en bas. En bas, apparemment. Ça, je crois que c'est midi. C'est le Sahara, mais un peu plus froid avec de la clim qu'il y avait eu à Rennes. Joli. Il n'y avait pas grand monde, mais bon, c'est pas grave. Nous, on était là, on était très contents d'être là. Et en plus, ben, mon cher Vincent, tu vas nous le dire, mais on a fait des très bons chiffres. Parce que bon, faut se faire mousser un petit peu, mais beaucoup de gens ont suivi le live. Ouais, j'ai plus les chiffres, désolé. Non, mais c'est pas grave. Il y a eu beaucoup de monde qui ont regardé. Selon l'IGPN, combien 900 sur Twitch, à peu près pareil sur YouTube. Ouais. Donc, on était pas loin des 2000 personnes qui ont suivi pour un match qu'on a juste commenté sans qu'il y ait la vidéo en plus. Donc, c'est quand même assez fou. Et pour la petite histoire, parce que vous vous moquez de moi là, comme quoi j'ai failli louper la reprise de la deuxième mi-temps, mais c'est quelqu'un de l'OM qui me demandait donc si on passait l'image, enfin le match aussi, qu'est-ce qu'on faisait, etc. Parce que y a du monde qui voulait voir ce match. C'est fou. Parce que le foot féminin, comme vous le savez, surtout la seconde ligue, c'est pas du tout diffusé ou très à la marge. L'OM va passer ses matchs sur Twitch. Nice, ça peut arriver, mais ça s'arrête là. Et il y a une demande. Oui, certes, c'est pas. On va pas se mentir, on n'est pas le sport le plus populaire en France, le foot féminin, j'entends. Mais il y a une demande quand même, et je vous assure que si on arrive à y répondre, il y aura. Voilà, ça sera là derrière, il y aura de l'audience. Est-ce que ce serait possible, ça, au niveau du club, de leur demander si on peut retransmettre le match nous-mêmes, quitte à ce qu'il soit pas retransmis. Caméra soit très bonne au point de faire un super qualité, mais tu auras une image. Au moins d'avoir une image, mais après, je suis pas sûr. Et après, il n'y a pas de droit TV en seconde ligue, donc techniquement. Tu partages de concurrencer qui que ce soit, parce que c'est pas diffusé. Donc, je sais pas. C'est diffusé très à la marge parfois par FFF TV. La saison passée, moi, j'ai eu un match, le match de fin de saison. Nantes-Albi, parce que Nantes jouait la montée en D1 avec Marseille, le duel à distance. Mais oui, ça reste très à la marge. Je sais pas, ce sera demandé, mais après, je suis pas sûr que nos caméras soient faites. Pourquoi pas aussi un partenariat avec des étudiants ou quoi. On avait déjà fait ça à une époque, je sais pas si tu te rappelles, Camille. Qu'on ait commenté un match de R1, je crois. C'est aussi au TEF, on aurait bien sorti le péno, mais il a pas été marqué. On l'avait filmé. Il vient de la sortie, en tout cas. Ils sont plus cruels que nous, quoi. Exactement. Mais voilà, moi j'ai juste un message à passer à Fred. Fred, tu pensais être connu. Viens voir Mathilde avec les féminines, tu verras que t'es vraiment d'un côté. Ça lui fait mal au cœur, le pauvre. On va enchaîner sur ça, puisqu'on va à la rentrée de Mehdi. On va finir sur la R1. Mon cher Nathan, je te laisse annoncer les résultats. Ouais, donc large victoire 8-2 à Canet-en-Roussillon avec un doublé de Chayeb et Messaoudi. Et des buts de Legrand, Ponce, Clossé et Dos Santos. TFC est quatrième à 3 points du duo de tête, donc la SPTT Montpellier et Jacou Clapier. Les 19, donc défaite 4-1 à Bourg-Péronas, but de Léa Ferron. Pour le moment, elles sont 5e sur 6, mais les 4 dernières comptent 3 points. Et on applaudit Mehdi pour son entrée en jeu. Vincent, des réactions. Non, c'était juste pour remercier Pichou qui a renouvelé son abonnement sur Twitch. Ça fait 13 mois qu'il est abonné. Donc c'est vraiment un historique, c'est un pilier, donc félicitations à lui, merci à toi. Merci beaucoup. Et pour avant que Mehdi s'installe, on va passer au débrief du match entre Toulouse et Lyon. Par
Par contre, Mehdi qui vient que pour parler de Lyon, c'est un peu bizarre quand même. Enfin, ça confirme des doutes, je pense. Et il s'assoit à côté d'une Lyonnaise. Alors, ouais, pour la petite histoire, il y a quand même 4 Lyonnais autour de la table. Micro ouvert ouais. Parce que. Oui, il va demander le micro. Oui, je sais. Ben, pourquoi j'ai mis un masque à ton avis hein. C'est pas parce que Brest mène 3-0 que t'as mis un masque. On va. Il mène 3-0. Ouais, il mène 3-0. Incroyable. Comme quoi la coupe d'Europe, ça change les hommes. Brest va peut-être finir par aller plus loin que le PSG cette année. Ce serait marrant. En tout cas, ils ont 6 points presque. Bon, ils feront siffler l'an prochain, je pense. La composition de ce match. Alors, il y en a 40 minutes pour débriefer ce match. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'aborder tous les sujets. On va essayer d'être le plus efficace possible, d'aborder un maximum de choses. Je sais que tout le monde autour de la table a énormément de choses à dire. On va passer avec la composition qu'on avait ce dimanche. Reste Mackenzie, Nicolaïsen, Sidibé, Kamendi, Donou, Siro, Caceres, Magrigbo, Babika. Sont entrés en jeu King, Jeanro, Zaitz, Soiseau et Abouklal. Il y a eu le match, mais il y a eu aussi tout un week-end aussi à côté avec les Indians et les hommages à Brice et aux disparus. Mais avant, je vais vous demander vos points, messieurs, dames. Quels sont vos points, mon cher Clément? On va commencer par toi. Moi, mon premier point ne concerne pas nécessairement le sportif, mais plutôt tout ce qu'il y a autour. On a vu de très très belles choses en tribune, mais on a aussi vu des choses beaucoup moins sympas, notamment côté lyonnais, mais aussi de notre côté à nous. Et on a vu encore une fois une courte interruption. Mais personnellement, moi, ça m'agace toujours un petit peu d'interrompre sciemment un match de foot. Moi, j'ai mis belle première mi-temps jusqu'au but des Lyonnais qui a vraiment fait très très mal. Babika, c'est pas si mal, il a eu mené du danger. Je trouve qu'il s'entend très très bien avec Beau et Franck Magri. Je pense qu'ils sont potes en dehors. Et Jeanro, j'aimerais bien te voir plus. Footballistiquement ? Je peux pas le dire plus. Moi, je voulais faire un appel au fait de ne pas céder à la panique. Et un collectif toulousain meilleur, mais des individualités lyonnaises supérieures. Vincent. Je me rappelle plus ce que j'ai écrit, j'ai très bien chopé la feuille. Ça a été un coup, t'as mis. C'était très long. Merde, je suis plus où je suis, désolé. Merci. On va croire que je l'ai pas écrit du coup. Et si on pétait tous un coup, je sais pas quelle drogue prennent les supporters pour en attendre autant du Manchester City TFC, mais l'urgence est loin. Je comprends la frustration. Énième défaite à domicile, énième match commémoratif perdu, énième match qu'on doit gagner, que l'on perd. Mais je vais ressortir l'éternel. Lyon, c'est pas notre championnat. Si vous voulez que des victoires tous les jours, vous prenez le TER jusqu'à Bordeaux, le TGV jusqu'à Paris et le RER jusqu'au Parc des Princes. Vas-y, des points. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui. Lyon, c'est moi aujourd'hui. Hein, c'est... Non, ouais, la tronche. Le problème, à mon avis, il y a un gros souci mental parce que depuis le début de saison, je suis pas. Il l'exprime mal, mais je suis pas en total désaccord avec l'ami Damien. Et ensuite, dans le jeu, c'est mieux qu'il y a un an, à la même époque. Et ben moi, pour ma part, l'important, c'est les 3 points. Parce que nous, on sait qu'il y a quelqu'un qui sait Imité Courbis, si tu veux, dans la salle. Il peut te le faire. Parce qu'à la limite, je ne sais pas Imité Courbis. Vous le voulez vraiment 3 points, ah ouais. et l'important, c'est les 3 points. Valide. Ouais, donc l'important, c'est les 3 points. Et Lyon, sauvé par son banc. Et l'équipe qui a commencé le match, les joueurs qui ont commencé, qui ont débuté le match, je pense, n'ont pas gagné beaucoup de points auprès de Pierre Sage. On a pu l'entendre dans sa conférence de presse d'après-match. On va commencer par un petit récit de ce qui s'est passé à côté. Avant de parler du sportif, parce qu'on va quand même axer beaucoup sur le sportif, mais on ne peut pas passer à côté de tout ce qui s'est passé samedi pour ceux du groupe donc, qui sont cartés. On avait la possibilité de se retrouver au Capitole pour former un hommage pour Brice. Donc, je dirais plusieurs centaines de personnes sur la place du Capitole avant formant le mot Brice en allumant des torches. Évidemment, il y a un seul connard qui n'a pas réussi à allumer de sa torche. C'est Billy. Mais c'était déjà un premier hommage assez sympathique. Ensuite, un petit cortège qui nous a envoyé jusqu'au pont Saint-Pierre pour une bâche immense avec marqué Brice présent, un portrait de lui et aussi un craquage tout en blanc cette fois-ci. Donc quelque chose d'assez unique et d'assez fort. C'est ensuite le lendemain, il y avait un atelier graphe à Ramonville, là c'est Nadia qui va nous en parler juste après. Et ensuite tous les hommages que vous avez vus pendant le stade, le tifo pendant les 90 minutes où tout le virage était marqué en Brice, ou quand ça levait, ça m'a été présent aussi. Et après le scénario du match, on va y revenir. Nadia, juste rapidement, toi qui as été à Ramonville le lendemain, tu peux nous dire rapidement ce que tu as vu.
Oui, effectivement, je suis allée à Ramonville. Bon, je suis arrivée sur la fin, hein. Donc, tout le monde partait. Mais après, il y avait des personnes qui étaient encore en train de taguer. Ce que j'ai vu, c'est des très jolis tags. Une dizaine de tags voilà, au nom de Brice, du coup disparu il y a 15 ans, et au nom d'Adrien, donc du coup disparu cette année. Voilà, donc des tags très travaillés, très colorés, jolis à voir. Donc je pense que c'était un joli moment pour les personnes qui étaient là, moment de communion comme pour l'ensemble du week-end. Et voilà. Et il y a un grand pan de mur où il y a le nom de Brice. Voilà. Donc Brice avec nous qui se voit de très loin, je pense. Donc, ouais. Donc c'est aller voir à Ramonville. Voilà. Ça, vous avez les photos. Les Indians sont sortis tout l'album photo. Vous pourrez les retrouver. Avant qu'on attaque sur le sportif, moi j'aimerais remercier officiellement le groupe pour tout ce qu'ils ont fait parce que je vois avec Nadia, Arthur, et Thibaut, un collègue qui était là. On a vécu le week-end vraiment de A à Z avec eux. Alors nous, on était plus passifs qu'actifs parce qu'on n'a pas fait toute la prépa, même si Arthur, je sais qu'il y est passé dans la semaine. Mais ils se sont donné les moyens de faire quelque chose de grand, quelque chose de beau. Ils ont voulu rendre hommage à tout le monde, à Brice bien entendu, mais aussi à tout le monde. Et il y a eu ce moment aussi, on va en parler après, à la 31e, qui était très émouvant, qui était très fort. Et je pense que ça avait expliqué aussi pas mal de choses. J'aimerais que tout le monde prenne en compte aussi ce contexte-là. Que tous ces mecs-là, bénévolement, après le taf, ils sont partis jusqu'à... des fois minuit, 1h, 2h, voire peut-être 3h du matin, continuer à faire des tifos, à faire des choses pour que ce stadium soit beau, pour que ce virage résonne, pour que ce virage soit d'une couleur magnifique avec le nom des 5 lettres de Brice marquées dans ce virage. Donc voilà, moi j'ai envie de leur dire merci, bravo à eux pour tout ce travail. Après tout ce qui s'est passé, on en reparlera, mais c'est pas forcément des mecs du groupe qui ont foutu la zizanie, mais eux, ils se sont donné les moyens d'être beaux ce week-end et ils l'ont été de A à Z. Donc voilà, moi j'aimerais juste leur dire merci parce qu'ils ont, fait un travail encore monstrueux. Avant qu'on commence nos points, j'aimerais qu'on écoute un vocal. Il y a Pascal qui nous a laissé un vocal où il nous parle d'un petit peu du week-end, un petit peu du match, qui pose pas mal de questions. On va commencer avec ça et ensuite on ira sur les points de chacun et de chacune. Tout d'abord, j'ai vécu un hommage que j'avais déjà vécu seul en déposant des fleurs sur une rambarde d'escalier à Belgrade, que j'ai déjà vécu collectivement au stadium, en ville, aussi avec quelques amis. Un hommage du stadium à un disparu en particulier, car victime d'une violence incroyable. Et aussi un hommage personnel à un disparu que vous ne connaissez pas et que j'aimais. Quelle belle idée de penser à nos êtres chers. Comme j'ai trouvé beau que 4 personnes m'aident à tenir à la 31e minute le nom d'une personne qu'elles ne connaissaient pas. J'ai pensé à ma promenade au lendemain de notre match à Liverpool, autour d'Anfield. J'ai découvert l'endroit où les supporters apportent une photo ou une plaque pour penser à ceux qui ne sont plus. J'aime l'idée de cette nouvelle habitude à Toulouse pour les matchs de fin septembre. Au stadium, on vit des émotions collectives intenses, mais nos vécus et nos histoires sont multiples. Par cette initiative, nous vivons solidairement ce qui nous est le plus intime. Nous montrons toutes nos petites histoires qui font notre grande histoire. Ensuite, j'ai vécu un match. J'ai plutôt bien vu la première mi-temps, je pense 50% de ce qui s'est passé, et presque rien de la seconde. J'étais surtout là pour chanter. Mon impression, c'est qu'on n'a pas eu peur, on n'a sûrement pas été inquiété. C'est ce que confirment les stats du match. Je crois que face à une équipe d'un club bien plus riche et bien plus endetté, le TEF a mis les ingrédients pour gagner. Et ça n'a pas marché. J'aurais tellement voulu. Ce dénouement m'a littéralement donné envie de gerber. J'ai senti une intense colère. Mais je ne savais pas qu'en faire, à qui la destiner. Enfin, j'ai vécu un après-match. Je n'étais donc pas le seul à sentir de la colère, à sentir de la frustration. Des doigts d'honneur, des insultes, presque des coups, je crois. Ils m'ont foutu les boules à encore perdre, à la dernière minute, à encore perdre dans un match symbolique. Mais je crois qu'on peut se mettre d'accord sur pas mal de choses. La première, cette équipe ne triche pas. Avec ou sans réussite, ils mouillent beaucoup le maillot. La deuxième, ces joueurs, cet entraîneur, ont eu le courage de venir au bas du virage alors qu'ils ressentaient probablement la même frustration et la même colère que nous. La troisième, un match contre Lyon, c'est difficile à gagner. Que ce soit sur lesviolets.com, sur les forums, sur les réseaux, sur les cotes, à la feuille de match, la très grande majorité des pronostics de supporters toulousains donnaient Lyon gagnant. Ce n'est peut-être pas qu'on était simplement déçus de perdre. Pour ma part, j'aurais voulu une victoire pour Brice et pour nos disparus. Mais une défaite rend-elle notre hommage moins fort? Une défaite hold-up face à une équipe plus forte est-elle le signe d'un désintérêt des joueurs face à notre hommage? Doit-on attendre que ça gagne sur le terrain pour considérer que l'hommage a été rendu? La tension d'après-match
est-elle le début d'une relation délétère entre les supporters et l'équipe? Il me tarde qu'on se retrouve au stadium pour sentir qu'on est solidaire, pour faire de notre mieux, pour chanter fort, pour penser aux personnes qu'on aime. C'était un peu long, mais j'ai trouvé son message très fort, très juste et très sobre aussi, avec pas mal de questions à la fin. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'apéro. Non, mais est-ce qu'il y a un qui veut répondre un petit peu à Pascal ou quoi? Ce que je pense sincèrement, et j'en ai parlé avec Nadia tout à l'heure, ceux qui ont vécu le week-end de A à Z n'ont pas vécu le même match dimanche, aussi en termes d'émotion et en termes de frustration. Et il le dit vraiment, voilà, il y avait beaucoup de colère, beaucoup de choses. Et ça à prendre, je pense, aussi en compte. Mais est-ce que quelqu'un veut rajouter un truc ou pas? Il a un peu tout dit quand même. Pascal, ouais. Il est bon. Presque il te lit une poésie, c'est fou. Son récit est bien raconté. Chapeau. On peut finir l'émission dessus si jamais. Deux blaboulettes à côté. Ah, le côté endetté de Lyon. Ah, j'ai bien aimé ça. Ah. Elle a fait la petite. Elle a mou, Mathilde, mais bon, il n'est pas tort. C'est compliqué de dire le contraire. Hein, parce que... C'est Pascal Duprat ou aucun rapport? Aucun rapport. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Pascal, parce que je pense que tu as trouvé des mots qui ont été très justes, qui ont été très bons. Par rapport au sportif, ben, il n'a pas tort aussi. On se voyait tous plus ou moins pas forcément gagner, mais au c'est ce côté nul, hold up qui fait mal. Ouais. Mais il y en a beaucoup ici qui ont dit qu'il ne fallait pas forcément paniquer. Mais je vais aller vers toi, Ben. Parce que tu avais une belle première mi-temps. Ouais, écoute, j'avais été là face au Havre et je m'étais fait chier comme un mort, voire pire. La première mi-temps. Et là, j'ai trouvé Toulouse bonne entame, tu démarres bien, tu as des occasions, tu concrétises enfin un temps fort avec ce but de Gbo et la belle passe de Siro. Oui, Siro a fait un bon match. Ça aussi, ça m'a gonflé. Donc, ouais, j'ai trouvé la première mi-temps très bonne. T'es là, t'es en place. Lyon n'est pas du tout dangereux, rien. Je pense que devant vous, jusqu'au but, vous n'avez rien vu de spécial, de dangereux. C'est un peu de Mikotadze sur le corner. C'est pas... J'essaie de trouver... Oui, je comprends. C'est le seul tir de Lyon, d'ailleurs, avec le but. Et puis arrive ce moment fatidique de ce que fait Koumbédi, qui je pense qu'il sait même pas... Enfin, il centre, ça touche une cuisse, c'est but malchanceux. Et là, tu sens que ça te met un bon petit coup sur le casque, au moins jusqu'à la fin de la mi-temps. Tu reviens la mi-temps un peu en difficulté, puis tu retrouves un temps fort. Et après voilà, un scénario, tu as quelques occasions de marquer, tu marques pas, l'arrêt de Péry, parce que Péry a fait un gros match, ça je pense qu'il faudra pas l'oublier. Les arrêts, il y en a. Surtout à celui de la 92 ou 13e, là, où tu as l'impression qu'il y a un but, il te la sort, il fait un plongeon incroyable. De King, ouais. Et derrière, il te rapporte 3 points, parce que tu perds pas et tu gagnes, donc ouais, très compliqué. Le match a eu deux visages. Meilleur que l'année dernière, Mehdi. Bon, dans le jeu, c'est clair et net. Il y a beaucoup plus de mouvements aboutis par rapport à la saison dernière, à la même époque. Alors, ça se concrétise absolument pas au niveau classement et peut-être parce qu'il y a un problème mental. Hein. Il y a peut-être une moins bonne dynamique parce que la saison dernière, on sortait d'une saison extraordinaire avec une finale de coupe, etc. Donc, même si on n'était pas en place, bon, on arrivait à gratter 2-3 points. Mais non, oui, il y a des mouvements beaucoup plus aboutis que la saison dernière. La seule différence, vous avez dû l'évoquer 25 000 fois, je pense, depuis un mois et demi, c'est qu'il n'y a pas de buteur. Voilà. Il n'y a pas de numéro 9. On met quelques buts parce qu'on arrive à se créer des choses. Et d'ailleurs, le danger n'est pas venu que de Yann Bo, pour une fois, qui fait comme d'habitude, à boire, à manger, mais il est indispensable. Xavi Babika était assez intéressant pour une fois titulaire. Donc tant mieux, parce que perso, moi, j'y croyais pas. Voilà, mais clairement, devant, il manque une présence un peu plus imposante que Franck Magri, un peu plus imposante que Joshua King. Je pense que soit il faut tout réadapter, il n'y a pas de solution. Là, je vois pas. En jouant de cette manière-là, il faut vraiment tout réadapter. Jouer à deux attaquants, je sais pas, il faut trouver une autre solution. Mais ça déséquilibre tout le reste, tout ce que tu as mis en place. Donc c'est compliqué aussi. Donc voilà, j'espère que à un moment donné, ça se concrétisera. Parce que je pense qu'ils ont tous pris un gros coup sur la tronche encore ce week-end. Parce qu'ils y croyaient, parce que la défaite, elle est dégueulasse pour le TEF, ça fait chier. Clairement, on peut. Moi, j'ai pas de colère. J'ai absolument pas de colère parce que j'aurais eu de la colère justement si je voyais qu'ils donnaient pas. Voilà. Bon, il y en a un ou deux. On les citera pas. Peut-être qu'ils sont un peu limites, mais dans l'ensemble. Ils se reconnaissent, je pense. Sûrement, mais
Mais sur le terrain, les mecs, moi j'ai l'impression qu'ils donnent, j'ai l'impression qu'ils respectent ce qu'on leur dit. Est-ce que Carles ne motive pas de la bonne manière? Est-ce que les profils au niveau des leaders ne sont pas les bons? Peut-être. Mais en tout cas, les mecs, ils donnent. Donc moi, j'ai pas de colère envers eux. J'ai juste de la frustration et voilà, juste ça fait chier quoi. Ça fait chier pour nous, ça fait chier pour eux, ça fait chier pour l'ambiance du stadium et c'est tout, voilà. Parce que. Lyon, c'est minable. Lyon, c'est minable. Lyon, avec le fric mis sur la table, avec tout ça, moi qui suis un peu ce club-là, et bon, Mathilde, je le sais, moi, je trouve ça mais tellement ridicule. Même s'ils ont fait tourner, même s'il y a 9 joueurs, c'est, franchement, c'est pathétique. Et bon, ça, c'est sûr que ça devient encore plus frustrant. Moi qui suis Lyon, ça devient encore plus frustrant de perdre contre cette équipe-là, quoi. C'est pas la première fois en plus. Hein. Mais ouais, la mais saison bon, passée, c'était un peu la même. Tu te bouffes les doigts. Ouais. C'est tout le temps pareil, ouais. Tu te dis, à Brest, ça fait chier de perdre 2-0 à Brest, parce que au minimum, tu dois essayer de gratter, tu dois gratter un point aussi. Ça commence à s'accumuler. Voilà. Juste pour revenir sur Lyon, Mathilde, tu es supportrice lyonnaise, tu es d'accord quand on dit que c'est un hold-up lyonnais sur oui, le match? Oui, clairement, oui. Je pense que le nul, voire même la victoire de Toulouse, aurait été bien plus mérité. Après, c'est Lyon, ça a toujours été ça. Hein. Ça a toujours été en dents de scie. Ça, depuis des années, ça n'arrive pas à avoir une régularité sur leur performance. Là, quand tu as un match d'Europa League jeudi soir, tu peux être quand même assez satisfait à la fin du match parce que bah, tu vois des choses intéressantes. Ça manque d'efficacité devant, mais bon, il y avait des choses produites. Et là, tu arrives dimanche, tu vois, à la première mi-temps, mais t'as envie de partir, quoi. Ça sert à rien. Et que ce soit les remplaçants, même, enfin les remplaçants du moins, les plutôt l'équipe B entre guillemets, mais même un Calleta-Char, moi, depuis Marseille, même contre l'Olympiakos, et là c'est pas possible. Bah, un défenseur central qui laisse passer des ballons dans l'axe comme ça, en levant les bras comme si tout allait bien. Non, mais c'est lui ton taulier. Ah, c'est pas possible. Parce qu'on en parle pas, mais c'est ça le problème. Derrière, c'est Calleta-Char. On leur a marché dessus aussi au milieu de terrain avec leur trio là, Verretou, Cacré, qui c'était catastrophique. Et de me dire aussi qu'on a perdu face à un milieu aussi qu'Ataxa, c'est... Ce trio-là, il n'a jamais joué ensemble. Non. Et non. On sait aussi que dans le football, les automatismes, c'est important. Et là, ouais, Cacré, il est nul depuis le début de la saison. Et même la saison dernière, Cacré, ouais, c'était compliqué. Et tout vient d'arriver, il était au loft, il faut lui laisser un peu de temps. Et Tespan, moi, je ne connaissais pas, donc je n'ai jamais vu jouer. Mais pour revenir à Toulouse, Ciro Cáceres, ça a très bien fonctionné. Oui. Moi, le Ciro, je ne dirais pas qu'il a fait un bon match parce que ses coups de pied arrêtés ont été ridicules, clairement. Il a pas réussi à le même ballon. C'est fou que personne d'autre les tirs quoi. Et ça Beau, par exemple, Beau, il a un bon pied, tu vois. Non, je sais pas. On prend un corner si quand même. Cáceres, Ciro, ça a plutôt bien fonctionné, moi je trouve, au milieu. Ah, oui. Kamanzi a été correct avec Kamanzi était très bon. C'est mieux Kamanzi, c'est mieux. Voilà, Mackenzie a été un poil mieux aussi que d'habitude. Oui. Enfin franchement, il y a à part c'est loin d'être le match le plus latin. Clairement, sur ce match-là, il est pas bon de nous. Non, il est pas bon. Ah, je trouve que clairement, ça il est pas bon. Même. Moi, je l'ai devant la gueule tout le mi-temps. Ah, ouais. Il a mis du temps à toucher des ballons. Hein. Ça joue beaucoup à droite au début. Ouais. Juste avant qu'on enchaîne, hein, qu'on passe quelques points, quoi. C'est certain de ne pas paniquer. On a Cédric qui vient de nous appeler, qui veut réagir avec nous. Cédric, comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Tu voulais nous parler du match? Bah, écoute, on t'écoute. Du coup, il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites, mais simplement, moi, je suis d'accord avec Mehdi. Un gros point noir, c'est qu'il manque un neuf. On le savait tous, apparemment, depuis plusieurs mois, que la ligne partait, mais bon, le marché des transferts a fait que. Et là, quand même, ce qui est criant aussi, c'est l'insuffisance technique, quoi. Dans la dernière ou l'avant-dernière passe, les centres, etc., c'est compliqué, quoi. C'est presque indigne d'un niveau professionnel, quoi. Et défensivement, parce que bon, offensivement on a du mal, mais défensivement, là c'est aucun bloc équipe, 30 mètres d'écart entre chaque ligne, un pressing décousu, il y en a un qui presse, hop, il se fait passer, il y en a un autre qui arrive 10 secondes après, et on est en danger dès que les équipes accélèrent un peu. Alors on a eu de la chance, on est tombé sur un Lyon très faible, alors là j'étais surpris par franchement la fébrilité lyonnaise, quoi. Mais les mecs, ils ont deux actions, ils ont mis deux buts, enfin deux actions, une action et demi, ils ont mis deux buts, quoi. Et voilà, le premier but, c'est symptomatique de notre défense. Il y a un gars qui a les pieds carrés, il monte tranquille, il fait 20 mètres balle au pied. Il y a Beau qui le court à côté, Bonhomme qui, je sais pas, il prend le café, je sais pas ce qu'il fait, il a fait du photopournement, je sais pas. Et le mec, il centre, et, ben, un pied, une hanche, but. Merci, au revoir. Et voilà.
D'ailleurs, ce but, il est très très bizarre, hein, ce but. Hein. Je ne sais pas si tu étais au stadium dimanche, mais tout le monde n'a pas compris. Personne n'a compris que c'était rentré. Ouais. Aucune. C'était une sensation. Il ne se passe rien, tu lèves la tête, il y a rien. Ouais, c'est ça, exactement. Mon pauvre Koumpédi, il a qu'à pris un pied carré dans la tête, là. Ouais, c'est sévère, c'est sévère. C'est quand même un bon joueur. Parce qu'il fait pas mauvais match. Cédric, du coup, continue, pardon. Oui, bah après, moi, cette attitude défensive passive, ça m'a franchement rappelé le premier but contre Brest, le CSC. Un mètre par du milieu de terrain, on recule, et puis d'un seul coup, les défenseurs, je sais pas, peut-être qu'ils voient la ligne de surface de réparation, ils se disent putain, il faut qu'on arrête de reculer. Bah, c'est trop tard. Un ballon dévié, un truc comme ça, ça va vite. Hein. Après, c'est le côté faible parce que Beau attaque tellement que les retours défensifs, il les fait, mais toujours avec un temps de retard. Ce qui fait que Donum ne peut pas avancer plusieurs fois sur Koumbendi. Moi, j'avais mon voisin qui n'arrêtait pas de gueuler en disant vas-y. Mais en fait, Donum, s'il avance, il a deux contre un à chaque fois. Donc, il essaye d'être en recul frein pour attendre que Beau revienne. Et ça met beaucoup trop de temps. Quoi. Je suis d'accord, mais logiquement, si on a trois actions, ça doit coulisser. Franchement, ça doit coulisser. Enfin, pour moi, après. Logiquement, c'est pour ça je pense qu'on met trois actions parce qu'on sait qu'on est fébrile sur les côtés. Quoi. Donc, mais si ça coulisse pas, c'est qu'il y a un problème. Ah, mais logiquement, on doit être en surnom tout le temps. Quoi. Mm. Enfin, je pense. Et après, le petit dernier truc, là, le 3-5-2 contre Lyon, je comprends, mais bon, on l'a eu contre Le Havre, je pense qu'on l'aura contre Angers. Et franchement, le 3-5-2 à domicile, tactiquement, j'en ai un peu marre. C'est une tactique à domicile contre des équipes plus faibles, c'est une tactique de fébrile, franchement. Et le plan de jeu offensif, c'est stéréotypé parce que on joue tout sur la transition et la contre-attaque. Et au moins, on n'a pas trop de construction à faire. Quoi. Et ça, je pense que. T'aimerais bien passer un schéma à 4, par exemple? Le 4-3-3 qu'on avait avant, à domicile contre des équipes vraiment à notre portée, oui. Je pense qu'à un moment, il va falloir revenir dessus. Hein. Et tu as parlé de problème de neuf, du coup, par rapport à. Parce que pour le moment, ce poste de neuf, il est quand même très disputé, j'ai envie de dire. Parce qu'à Bouclal, il a joué, Magri, il y a joué, King, il a joué, mais aucun n'a vraiment été bon. Mais tu mettrais. Pour moi, c'est pas un neuf, hein, pour l'avoir vu jouer à Bordeaux, c'est un mec qui jouait tout le temps à deux pointes. Ouais. C'est un mec qui joue autour d'un attaquant, du physique un peu de Magri. Donc peut-être qu'il faudrait tester contre une équipe à notre portée de voir ce que ça peut donner. Parce que King, c'est pas un neuf. On le voit dans ses déplacements, c'est pas un neuf. La première action d'Abouktal, pareil, quand il finit en 6 mètres, le pauvre, il a failli attirer dans les panneaux publicitaires. Il essaye de centrer, il lève la tête. Il y a un appel de King qui est caché derrière les défenseurs. Il ne peut pas lui mettre. Il ne fait pas un appel contre appel, il n'y a rien. Quoi. Donc c'est un mec, je ne sais pas, il n'a pas de déplacement. Enfin, quand on voit Ibaniga ses déplacements l'année dernière, ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a rien à voir. Il y a Clément qui veut te répondre. Moi, je le trouve un peu sévère sur King. On l'a vu 20 minutes, il se procure une occasion. Enfin, l'occasion lui arrive dessus plus tôt, mais c'est un vrai geste d'attaquant pour le coup qu'il fait sur l'arrêt incroyable de Lucas Perry. Et je trouve qu'il apporte autre chose que Magri. Et moi, j'aimerais bien qu'on le voit un peu plus. Je trouve que c'est un peu bête de l'enterrer alors qu'il a été titularisé une fois. Et de dire ça marche pas, c'est pas un neuf. Ce qu'il dit, c'est qu'il l'enterre pas, c'est que peut-être jouer plus à deux que tout seul. Mais après, le mec, on l'a fait jouer un match titulaire, il venait d'arriver, on peut peut-être lui redonner une chance. Magri, on lui a redonné une chance, je comprends pas pourquoi on pourrait pas le faire avec King, qui, moi, sur son entrée, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Alors, c'est pas. Tu es capable de jouer à deux, tu seras plus à l'aise à deux qu'à une seule pointe. C'est tout. Ça oui, bah écoute, oui, c'est ce qu'il dit, c'est peut-être plus à deux ou avec un. Moi aussi, j'aimerais bien le revoir en pointe avant de décréter qu'il ne peut pas jouer seul en pointe. On va te dire merci Cédric pour ta réaction. Ouais. Merci à vous. Et après, si vous avez besoin d'un débriefing pour l'après-match, il n'y a pas de souci. Ça marche. Mais nous, Porte 7, en général, on n'est pas loin, on se regroupe tous. N'hésite pas. Samedi, on sera au Danus. Si tu veux passer aussi, n'hésite pas. Et si tu veux venir à l'émission, si tu es sur Toulouse ou dans les alentours, n'hésite pas aussi. Merci à vous. Ciao, ciao, bonne soirée, à bientôt. Ben, ciao. Tu voulais réagir sur Bucking? Non, pas sur King, ce qu'il a dit juste avant, sur le fait de tester quelque chose qu'on équipe plus faible, et j'ai bien peur que ça soit compliqué, parce que je me demande s'il ne va pas commencer à avoir un peu urgence de points aussi, parce que je ne sais pas combien de points tu vas ramener de Lille, mais je ne suis pas sûr que tu vas ramener beaucoup. Oui, ok, tu es aussi à un point de Montpellier qui est barragiste. Donc 4 points d'Europe pour Montpellier. Donc 4 points d'Europe pour Montpellier. Mais je ne sais pas, j'ai du mal à voir Carles retenter à nous quelque chose de nouveau pour les prochains matchs.
J'ai l'impression que tu as l'air bien englué dans faudra ce schéma. On va bien essayer, à domicile ça marche pas. Et... Oui, mais à l'extérieur, oui, encore. Oui. On a perdu la semaine dernière à Brest. Contre Angers, il y a une occasion en or de tester autre chose. Et moi, je suis pas sûr, parce que si tu prends pas des points là, ça va être chaud. Ouais, mais si tu tentes pas quelque chose tactiquement contre Angers, tu le tenteras jamais. Je sais, c'est ça qui est dangereux. La transition du point que Nathan nous dit, pas de panique. Et Vincent, qui était un peu qui le rejoint aussi, donc les deux vont vous montrer qu'il faut pas paniquer, les gars, en fait. Messieurs, c'est l'instant yoga du soir. Pas de panique. Non, pas de panique parce que j'ai vu pas mal de réactions, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans le stade. On a connu des périodes beaucoup plus sombres que celle-là. On n'est pas dans une situation d'urgence. On n'est pas non plus Montpellier. Ben, je t'embrasse. Dans le sens où je vais rejoindre un petit peu ce qu'avait dit Mehdi aussi. Il y a du mieux dans le jeu. Il y a des choses qui me rassurent. Alors, c'est par bribes, mais on a vu 30 minutes de très bonne facture. Il y a des enchaînements intéressants, il y a des idées, donc c'est pas un état d'urgence dans le sens où Lyon, ça rejoint aussi mon deuxième point, il y a quand même des individualités qui sont supérieures aux nôtres. Lyon, ça gagne sur les individualités, collectivement, sur tout le match, même là où on est un peu moins bon, on est quand même supérieur à Lyon. C'est un début de championnat, c'est un rodage. On a dit aussi qu'il y a plein de facteurs, il y a un manque de neuf, mais on n'est pas non plus dans une situation où on n'a rien à se mettre sous la dent dans un match. On a quand même un effectif avec des joueurs qui peuvent faire la différence aussi. Donc il faut pas céder à la panique. Je pense qu'il y aura des jours meilleurs. Il y a des équipes qui sont à notre portée dans ce championnat. Lyon n'est pas forcément du nôtre. Alors, au niveau du jeu, c'est frustrant. J'étais le premier frustré de perdre contre une équipe aussi faible que ça. Mais je pense qu'il faut pas céder à l'urgence. Et victoire en 28 matchs nous dit quand même à domicile. Spico 31 aussi. Donc je suis d'accord avec toi dans le jeu, mais il y a quand même d'un moment il va falloir y aller. Débloquer cette équipe. Que... Ouais, mais t'as une équipe qui. Ça, donc si tu veux attendre ça, sois frustré tout le temps, mais ça n'arrivera pas. Mais t'as une équipe aussi qui. Il va falloir quand même gagner au stadium. Enfin, tu vas en gagner 3-4 et puis voilà. Ouais, mais il va falloir prendre des points extérieurs aussi. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus. Après, si t'en gagnes 3-4 chez toi et t'en gagnes 3-4 à l'extérieur, ça t'en fait 8-9 victoires, bon, ça sera déjà pas mal. 27 points et quelques nuls. Ouais, 3-4 victoires, c'est dur. Quand tu viens tous les week-ends, enfin toutes les deux semaines. Oui, je pense que t'as raison. Il y a une espèce de blocage. Après, peut-être que ça. Mais je sais pas. Je vois pas comment on peut sortir de cette torpeur-là. Je pense que nos leaders. Je sais pas. Ils ne peuvent pas nous faire sortir de ça. Après, on réagit comme ça, mais si King met son but à la 93e avant de prendre le deuxième but, ça te change complètement une physionomie de début de saison. Mais moi, je pense que ce qui peut arriver, c'est qu'on gagne à la dernière minute en sens inverse sur un vieux centre moisi de Kamandzi contré par 4 joueurs et que tu gagnes 2-1 contre je sais pas qui à la dernière minute. Ouais, pour la confiance, ça te fait du bien. Et ça peut oui. être un peu. Inverser le. Oui, ça tient pas grand-chose le fait de retourner le. Oui, complet. Sincèrement, là, ils sont juste à la recherche d'une chose, c'est d'un match référence, d'un match complet, parce qu'à chaque fois où il y avait des bonnes brides de match, des bons débuts, je trouve, que ce soit même contre l'OM, les 15-20 premières minutes, elles sont très agréables à regarder. Donc je pense le moment où ils vont réussir à sortir un match référence et un adversaire comme le SCO d'Angers, ça peut être pourquoi pas. Et à partir de là, je pense que ça va clairement. Moi j'y crois, ça peut déclencher quelque chose et lancer une dynamique. Moi je pense vraiment ils sont à la recherche, ils courent après ce match référence, un match abouti complètement. Et suite à ça, j'ai hâte de voir la suite. Vincent. C'est bien. Okay, non, c'est je suis totalement d'accord. Il n'y a pas d'urgence. C'est la recherche du match référence qui urge, entre guillemets. On a fait des bonnes premières mi-temps, on a fait des bonnes secondes mi-temps. Encore une fois, il manque ce petit lien, il manque ce petit truc qui fait que ça bascule du bon côté. Mais c'est ça aussi le monde pro, hein. C'est faut pas se mentir, hein, c'est les détails. C'est l'efficacité dans les deux surfaces, les gars. C'est toujours ça. Donc... on en reparle en novembre. Pour moi, top, c'est charnière. On verra en novembre si on peut commencer à s'inquiéter ou pas. Pour le moment, ça va.
Après, c'est vrai que cette question de ne pas être capable d'être bon sur 90 minutes, c'est un truc qu'on traîne quand même depuis un moment. Je vous rappelle les émissions de l'an dernier, on en parlait beaucoup, beaucoup, ça revenait souvent. C'est vrai. Et... Il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1 comme ça. Ouais, mais du coup, oui, Quasiment. Toutes. Bah, oui, toutes. Coup, moi, même pas. Oui, oui, bien sûr. Mais moi, ça m'inquiète pas outre mesure, mais je peux comprendre en effet que certaines personnes se disent ça tarde. Mmh. Et c'est un problème qui dure et qu'on n'arrive pour l'instant pas à régler. Quoi. Ah, c'est même pas, on n'a pas une équipe. Les gens impatients ne peuvent pas être supporters du top. On les a vus en bas du virage à la fin du match. Ah, ça, c'est vrai. Moi, je voulais réagir aussi par rapport aussi aux attitudes des joueurs. Je vois quand même. Il y a eu des époques où on a connu des tricheurs, on peut le dire. Ouais. Là, quand même, rien qu'à voir dans les duels ou dans les... je prends un exemple de match du Sidibé qui a quand même été un meneur d'homme. Je vois quand même des motifs de satisfaction qui fait que je me dis qu'il manque juste le petit déclic. Voilà. J'aurais été incendiaire. C'est vraiment, on avait des joueurs qui salissent le maillot, qui ne font pas les efforts. On en a eu. On a été moins dur quand même qu'avec... certains joueurs de cette année, enfin pour moi c'est impensable de se retourner comme ça contre l'équipe pour des causes de mauvais résultats. Le plus important, voilà, c'est d'avoir un état d'esprit irréprochable. Je pense que les joueurs sont quand même concernés, il n'y a pas urgence. Et voilà, il manque juste ce match référence et ce petit déclic. Juste rapidement rebondir sur Sidibé. Moi je rappelle un peu des réactions qu'il y a eu quand il est arrivé, où les gens nous ont expliqué qu'il était cramé, que c'était à droite, il est cramé. À la con. Oui, à l'heure actuelle, il est cramé. Central droit. Au poste où il est recruté, il est cramé. C'est un axial droit pour moi maintenant. Après, qui te dit qu'il n'est pas recruté pour être le troisième axial au cas où Creswell, ça passe pas. Qui sait qu'il y a Kamandi alors ? Un jeune, je sais pas. Mais Sally Il joue pas. Il joue en réserve. Moi, je pense qu'ils espéraient le faire jouer à droite à la base. Mais pas piston, latéral, peut-être plus. Piston, ouais, si tu décales. Piston, tu vois. Pour moi, à 4 peut-être, mais 5, c'est sûr, t'as raison, c'est mort. Piston, il y a très peu de joueurs déjà qui sont en capacité de réellement jouer ce poste. Mais peu importe les clubs en Ligue 1, il n'y en a pas beaucoup. Ah, il faut un mec à le coffre. Sidibé a quand même à la base le profil. Il a un moment de sa carrière. Non, il est latéral. Il n'y a que maintenant où on s'invente des latéraux pistons. Mais c'est un vrai poste. C'est quelque chose où. Bien sûr, mais à la base, c'est quand même un mec qui est capable de prendre le côté, qui faisait toujours beaucoup d'efforts. En latéral. Mais même piston, à 3, il jouait à 3, en 3, il a joué Monaco, piston. À Monaco, c'était Mendy, Sidibé en latéraux, et c'est là où ça fonctionnait. J'ai envie de croire qu'on l'a recruté en disant bon, ben ça peut tenter piston latéral, mais au pire, on le met dans la défense à 3, 3ème centrale. Mais du coup, t'as trop de centraux. Ah mais pour le coup, je trouve qu'il apporte plus de sérénité qu'un Creswell. Ah mais ça c'est sûr. Je trouve qu'il apporte quelque chose dans l'état d'esprit aussi. Enfin franchement, quand on fait les courses, je le vois mal. Ce week-end, il a été exceptionnel. Il est irréprochable et franchement la défense. Mackenzie, c'est pas encore validé. Nicolas Hyssen, c'est extraordinaire. Moi j'ai envie que tous les ballons aériens. Le match de Nicolas Hyssen encore ce week-end, c'est et derrière qui est sa convocation qui tombe avec Danemark. Ça c'est top. C'est top. Franchement, c'est parfait parce que pour lui, ça récompense son début de saison. Je trouve qu'il a encore pris un cran cette saison. On disait avec Ben, hein, les duels de la tête ou physique, c'est une formalité pour lui. Ça zéro peur qu'il a perdu. Tu sais qu'il va gagner le duel. C'est incroyable. Et même quand il est monté en fin de match, il a repris tous les ballons. Ah ouais, non mais de la tête, il est incroyable niveau timing, niveau. Du coup, j'aimerais bien qu'on installe cette défense titulaire là à 3, Sidibé, Nicolas Hyssen, Mackenzie, ça me paraît être pas mal. Petit point des réactions des gens et ensuite Clément, on enchaîne sur ton point parce que le temps passe. Après, tu vas croire que je veux pas te parler. Ouais, de manière générale, sur les réseaux, on est un petit peu déçus, bon, un peu comme tout le monde autour de la table. Il y a Freefly qui nous dit il y a une chose extra-sportive que j'accepte, c'est la déclaration de Magri en après-match qui dit que les supporters sont exigeants. Or, là, on peut pas dire. On peut pas dire sur les derniers mois qu'on a été aussi exigeant qu'il le dit. Donc, en gros, il dit qu'il est très déçu car on a l'impression d'avoir bien commencé le match, que le premier but de l'enquête nous met un coup d'œil à la tête, que le contenu de la première période est intéressant, mais comme d'habitude, ça joue sur les détails. Qu'il a la sensation qu'avec une petite action en leur faveur, ils peuvent gagner le match, mais ça se fait pas et que c'est très frustrant. Et il dit la saison passée, on a aussi mal démarré, on s'est repris forcément, on va devoir se reprendre maintenant. Il faut prendre des points, il faut travailler, on n'est pas abattu. Voilà, j'ai fait un résumé court. D'autres réactions. Après, on voit Clément. De manière générale, beaucoup de gens attendent des matchs plus abordables. Hein. Angers, Montpellier, c'est des vrais tournants pour les personnes avant de tomber dans un état de crise. Donc, on est capable de gagner à Lille. Il joue le Real cette semaine. Enfin, bon. Lille, c'est très inconstant, mais tu sais pas sur quelle Lille tu vas trouver. C'est très difficile. L'année dernière, on a fait quoi à Lille ? On a gagné, non ? Ouais. Non, mais non, c'est la maison. Non, c'est la maison qu'on gagne. C'est la maison qu'on renverse le match. Tu vas gagner 0 victoire. On ne fait pas un match nul. On a fait nul, mais pas victoire. Clément. Je crois qu'on fait un point.
Tu veux parler un peu d'extra sportif et de ce moment d'interruption. Déjà, moi, j'étais en effet, comme tout le monde, je pense, très content de l'ambiance qu'il y avait dans le stadium, de l'hommage qui était quand même très cool, et ça a bien marché, je trouve. Et en fait, moi, je trouve que ça vient ternir un petit peu le truc de faire ce craquage massif qui cause une interruption. Alors après, est-ce que ça a eu ou non un effet sur la rencontre? Moi, j'ai ma petite opinion là-dessus, j'ai bien compris que qu'elle n'était pas populaire. Moi, je pense que ça a pu avoir en effet un effet sur les joueurs et sur le dénouement du match. Et en fait, je trouve ça dommage et je comprends pas. L'idée de causer sciemment une interruption de match, même si elle dure 3 minutes, 4 minutes, on s'en fout, mais de faire ça à la 80e sur un match que tu n'es pas en train de gagner, vraiment, je comprends pas. J'aurais pas le même discours, tu vois, si on avait mené 2-1 au moment de l'interruption. Mais pour moi, faire ça à 1 partout. Ils s'en tapent le score. Quand ils le font, ils ne regardent pas le score. Et le match est interrompu par rapport à la télé sur le terrain. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que et les deux arbitres de touche sont censés se voir. Et là, tu aurais eu le même discours à 2-2 si ça égalisait. Tu aurais dit la même chose. Franchement, je ne sais pas. Parce que t'as le passo up, c'est arrivé la même chose. Mais moi, je pense que tu te trompes de combat. Mais après, en fait, je comprends pas ce que ça apporte de faire ça pendant le match et encore plus à ce moment-là. Si tu fais ça, fais ça à la 50e. Fais ça à la 50e. Tu sais que ça ne va pas avoir d'effet sur la suite du match. Tu prends pas de risque. Je pense sincèrement qu'ils ne pensent pas à ça au moment où ils. Oui, mais bien sûr. Mais en fait, avoir une belle image, je ne comprends pas et je ne vois pas en quoi attendre 10 minutes le coup de sifflet final avec les caméras qui tournent toujours. Je ne vois pas ce que ça change au fait de faire ça pendant le match. Moi, je pense pas que ça ait ça. Je pense pas que ça ait un lien. Et les mecs, quand ils le font, ils pensent même pas une seule seconde à l'interruption. Mais en fait, quand bien même ça aurait pas de lien sur le déroulé du match, je comprends quand même pas. Oui, mais c'est dans le sens. En fait, ce que tu regrettes, je pense, parce que tu vas pas dire que tu es contre ça non plus. Ce que tu veux dire, c'est que ça fait une coupure et que dans cette coupure, ça te coupe un peu l'herbe sous le pied. Et tu m'arrêtes si je me trompe. Non. Et que du coup, les mecs, ils ont une interruption et ça dure 3-4 minutes. Nous, on l'a vécu hier en foot à 7. Hein, la lumière s'est éteinte. J'ai eu du mal à l'interruption. Non. Moi, j'ai eu du mal. J'ai pas eu de mal personnellement. Mais c'est vrai que ça te coupe un élan ou ça te coupe quelque chose. Ça, je peux l'entendre. Mais je pense pas que s'il n'y a pas ça, tu. Oui, clairement, oui, bien sûr. Je pense pas que s'il y a ça ou pas. Ça, pour moi, le résultat n'influe pas. Mais après, le problème, c'est que ça fait deux fois qu'on perd. Donc, j'ai envie de te dire. Et c'est Vincent, et je me retourne derrière parce qu'il m'a sorti une phrase dans la voiture, parce qu'on en a parlé. Et je pense que c'était le mieux résumé, le coup du verre à moitié plein, que tu m'as dit exactement. De toute façon, dans les deux cas, tu peux prouver aucunement que l'interruption coûte la victoire. Mais tu peux prouver aucunement que l'interruption n'a pas aidé aussi les Lyonnais à gagner. C'est impossible dans les deux sens de justifier quoi que ce soit. Mais ça a un effet. On disait sur la conversation qu'on a entre nous, moi, quand tu sais notre capacité à craquer dans les derniers moments, je trouve que tu mets toutes les chances de ton côté pour que ça arrive en faisant ça. Là, du coup, c'est les Indiens qui ont craqué. Joli. Ouais. Après, en soi, les images étaient belles, etc. C'est pas la question, mais c'est l'intérêt de le faire à ce moment-là du match que j'ai du mal à percevoir le pourquoi du comment. C'est juste ça. Ouais, pourquoi pas plus tôt Moi, tu fais ça à la 50e, tout le monde s'en tape. Ou la 31e. Si tu prends un but à la 52e. Et si tu prends un but à la 52e, il reste 40 minutes derrière pour remonter. Enfin, tu vois, le match, il est pas là, tu reprends, il reste 10 minutes à jouer, les deux équipes, elles dorment à moitié. Enfin, et si t'en prends un troisième derrière. C'est compliqué, quoi. Bien sûr, c'est pour ça que je relativise l'impact potentiel sur le match. Vraiment, les deux questions, tu vois. Ouais, non, bien sûr. Mais après, je pense que t'es pas le seul à avoir ces arguments-là, à penser ça. Qu'on soit d'accord ou pas, je pense que jamais d'accord au moins, tous les deux au moins poser la question, est-ce que ça joue ça, peut-être, mais voilà, après c'est pas voilà, chacun ce sera jamais oui jamais non, mais je pense que Vincent le résume très bien en disant on peut pas savoir, c'est l'interruption de Schrödinger, mais en attendant exactement. Vos tops, vos flops, s'il reste que quelques minutes, il en reste même deux minutes. Moi, c'est Fofana mon top et mon flop Kalaitachar, c'est mon moi même Umtiti avec un seul genou, je le reprends le fait. Matin, c'est pas beaucoup, sans Varane aussi, comme ça t'as vraiment Varane, Umtiti, tu régales. Matin, t'es 8 dans l'équipe. Je cite, match héroïque de Clinton Mata, l'équipe. Oui, j'adore Mata. Parce qu'il est ultra limité, que c'est un guerrier, mais clairement, c'est. Non. Moi, j'aime bien. Je suis pas d'accord avec toi, Mehdi, sur ce sujet. Il est limité, quand même. Mata. Top Nicolas Hyssen. Pour le très haut niveau, il est limité. Sidi B, moi, je dirais aussi. T'es sans bruit. Après, on va nous couper les. Vas-y, top Nicolas Hyssen. Nicolas Hyssen, Sidi B, Siro. Et les trois quarts de Gbo. C'est-à-dire Gbo jusqu'à la 60e. Et flop reste. Et notre ami Isaac, je trouve. Parce que son entrée, moi j'en peux plus.
Je vais être honnête avec vous, il reste une minute. Je pense qu'on va vendredi, on fera encore une petite prolongation. Alors, peut-être pas forcément de Toulouse-Lyon en général, mais il y a des choses. Il y a une question qui a été posée par Pascal sur les supporters, le lien, ce qui s'est passé, beaucoup d'extra-sportifs. On a voulu axer sur le sportif ce soir, c'était un peu fait exprès aussi. Mais vendredi, il y aura des débats autour de ça. On continue rapidement. Top flop. Top CDB, flop vite. Cherki ne doit pas passer comme ça en fin de match. Top Nicolas Hyssen, CDB, ouais. Il reste, non? Vous l'avez mis, il reste? Si, flop. Ah, moi, flop, ouais. Moi, je trouve qu'il fait un match. Petit flop Magri aussi. Hein. Petit quoi? Petit flop Magri aussi. Moi, il me fait tellement de peine, j'ai du mal à mettre en flop. C'est dur pour lui, mais c'était tellement mauvais que là, même Magri arrivait à décrocher et prendre des ballons. Allez, 10 secondes, je vais vous couper, je suis désolé. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Clément, merci Ben, merci Vincent, merci Camille. Merci Mathilde, merci Mehdi, merci à tous ceux qui nous suivent. Vendredi, on repart sur un petit débat, on retravaillera tout ça et on en parlera. On vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bisous, bisous. Ciao.